que s'en allait au travail, puis finalement, comme après 1h30, je pense, il a appelé le travail parce que dans le fond, c'était tellement bloqué, les routes, tellement glissant, puis tout ça, qu'il a pas pu se rendre. Fait qu'il a téléphoné, puis vu qu'avec son travail, des fois, il y a des choses à faire à la maison, ben, comme son boss, il a donné la permission aujourd'hui de faire le job à la maison, là. Fait qu'il y avait comme des papiers à remplir, puis tout ça. Bref, aujourd'hui, il est là. Alors, comme ce matin, je vais me préparer, puis je vais filmer mes vidéos. En tout cas, je vais essayer de faire ça avant le dîner, puis après-midi, lui, il va pouvoir faire ses trucs. Fait que ça va m'aider. Parce que là, j'étais comme en retard pour ma vidéo cette semaine. Fait que voilà. Donc, pourquoi pas vous parler des produits que j'utilise en ce moment. Donc là, je suis en train de justement me préparer pour faire mon maquillage et tout ça. Fait que je vais vous parler vite vite, mais j'essaie d'y aller vraiment doucement avec cet œil-là. Fait que dans le fond, j'utilise la crème de jour, l'Effective Suprême de Vichy, puis pour les yeux, le Aquathermal Baume Réveil Regard de Vichy aussi. Ça fait depuis, je crois, le mois de septembre que j'utilise ça. C'est des super bons produits, là. Avant, j'utilisais un autre, mais toujours de Vichy, mais comme d'autres produits que je pourrais vous montrer éventuellement. Mais je trouve qu'ils font l'affaire, pour vrai, ils sont vraiment bons. Ces deux-là, je me les suis fait envoyer par la compagnie. Les autres que j'avais, ben c'est moi qui les avais achetés, là. Fait que dans le fond, j'ai vraiment comme parlé de comment ma peau était puis tout ça, puis ils m'ont envoyé ça pour ma peau à moi, comme selon les critères que j'avais. Moi, j'ai une peau mixte. Comme ici, c'est plus habituellement là, ici c'est plus gras comme en bas des yeux puis ou le nez. Mais là, durant l'hiver, c'est plus sec. Fait que tu sais, tout ou le nez, même ici sur le bord de la bouche là, c'est comme sec. Puis dans le front ici, c'est un peu sec. Fait que tu sais, j'ai comme une peau mixte, ma tendance déshydratée. Fait qu'avec ça, ils m'ont envoyé les produits qu'ils pensaient qui seraient bons pour moi. Puis vu que je fais un petit peu d'acné aussi, bref. Fait que je vous ferai une vidéo là-dessus, je pense, les produits Vichy là, qu'ils m'ont envoyé. J'ai des pour, j'ai des contre. Dans le fond, il y a des produits qu'ils m'ont envoyé qu'il y avait des petites billes dedans pour exfolier. Puis depuis, comme la campagne de Lush, là, pour... montrer qu'il y avait des milliards et des je sais pas combien de quantités qu'il y a qui flottent sur l'eau, puis que c'est vraiment pas bon là, pour notre planète. Fait que c'est sûr que j'encourage pas ça. Depuis que j'ai vu la vidéo, on dirait que je suis comme pas traumatisée là, mais tu sais, je veux vraiment y aller avec tout ce qui est le mieux pour notre planète là, pour nos enfants hein. Fait que c'est ça. Puis moi, j'utilise le lotion énergisante éclat du jour de Clarins aussi. Fait que ça, c'est déjà fait. Sinon, ma routine maquillage, là c'est sûr que pour vrai, là, depuis que j'ai fait de la conjonctivite, je me maquille comme jamais presque. C'est vraiment juste comme quand j'en ai vraiment envie ou ben, quand on sort. Quand on sort, ça veut dire des affaires de famille ou quelque chose comme ça. Fait que je vais vous montrer vite aussi que j'utilise. Fait que dans le fond, moi j'utilise pour mon fond de teint le Matte and Poreless dans la couleur 112. C'est le ivoire naturel. Puis pour le correcteur pour les cernes, dans le fond, j'utilise quelle couleur ça? C'est le ivoire, puis c'est le Dream Lumi de Maybelline aussi. Fait que deux produits de Maybelline, puis j'ai encore un Dream Matte Powder que je suis en train de passer finalement. Fait que je vais terminer ça. J'utilise le Oula de Benefit comme bronzer, puis le Rocateur de Benefit comme blush. Parfois j'utilise ça ici, le Portfolio de Lise Wattier, mais c'est plus comme quand j'ai des rougeurs justement, comme là en ce moment, parce que sinon les teintes pour le cache-cernes, ça fit pas avec moi durant l'hiver. C'est vraiment plus l'été que je peux l'utiliser. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, c'est ici. Le poudre scintillante compacte Champagne Pop de Becca. Ça, c'est lui avec
en collabo avec Jaclyn Hill. Fait qu'il est vraiment beau. C'est vraiment lui que j'utilise à toutes les fois que je me maquille. Là. Je l'adore. Fait que voilà. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. Puis dernièrement, j'avais acheté la palette de Carly by Belle. Attendez un petit peu, vous êtes dessus. Je vais vous la montrer. Donc voilà. Puis elle sent vraiment à la colle. C'est moins pire que quand je l'ai reçue, là, mais j'utilise comme ces couleurs-là. Là. Je les utilise pour venir faire mon coin interne. Puis les couleurs plus mates ici en haut, comme ça, pour faire définir le creux et tout ça. Puis ça fait vraiment, vraiment beau. Puis je trouve que dans cette palette-là, on peut vraiment utiliser toutes comme des ombres à paupières. Là. C'est ça, c'est pas juste pour des highlights ou des bronzers ou whatever. Là. Je trouve que c'est vraiment une belle palette. Puis j'aime beaucoup le Aspire to Inspire. Ouais, bref. Fait que voilà, aujourd'hui, je sais pas si je veux utiliser ça. J'ai envie, mais en même temps, j'ai envie d'essayer, de ressortir les petites ombres à paupières que j'ai achetées chez Lise Wattier à la vente. Fait que j'ai le prune mat puis le aubergine que j'ai envie de peut-être ressortir. Fait que je pense qu'il y a une couleur qui est quand même assez semblable dans la palette. Ouais, hein? Trouvez-vous? Ces deux-là, celle-là puis le prune mat. Mmh, on dirait une copie! C'est sûr que c'est pas une copie, là, mais tant qu'à acheter ça, là, tu sais, je vais regarder, mettons, la pigmentation pis tout ça, mais tant qu'à acheter ça parce que ça coûte 12$. C'est vraiment pas cher la palette, là, honnêtement, ça vaut la peine. Puis c'est sur BH Cosmetics, je pense. Ouais, bon après-midi! Nous sommes en train de déguster une petite collation. Étienne a vraiment la bouche pleine. C'est quand même drôle. Et là, il veut tout toucher. Je vais déposer ceci. T'as tout fait tomber, regarde! Oh non! Bon. Alors, ce que je voulais vous dire... T'es fatiguée. Je suis en train de déguster. Une petite collation que j'aime beaucoup. Des amandes, des dattes, du fromage. Bref, plein de bonnes choses pour la santé. On adore ça. Étienne, il mange le fromage. Là. Il reste gaspé tout le temps. Fait que je suis en train de faire du montage. Puis j'ai eu le temps de tourner filmer une vidéo ce matin. Puis elle est ultra longue. J'aurai clairement pas le temps de faire tout le montage aujourd'hui. Là. C'est beaucoup trop long. Puis là, j'essaye de mettre la portion du vlog d'hier dans laquelle je dis comme ce que je vous ai parlé sur Facebook. Là, genre, oh, je suis tellement contente. Hein? Mais là, je sais pas pourquoi. Mon logiciel de montage, il bug. Donc, en tout cas, je vais essayer de remettre ça dessus. Et Frédéric est en train de faire la vaisselle. Puis je l'ai mandaté pour aller enlever le. Ben, aller voir le tuyau de sécheuse, là. Parce que ça n'a pas encore été fait. Fait que j'ai pas envie d'accumuler full de lessive, là. Bref. Fait que c'est ça. On va continuer ce qu'on faisait. Puis tantôt, je pense qu'on va manger du porc. Je sais pas encore quelle recette on va faire, mais. Je crois qu'on a tout pour refaire le porc avec les pommes. Fait que peut-être qu'on va manger ça. C'est très très bon, c'est très simple. Donc voilà. On dit bye bye. Papa. On dit bye bye. J'adore. On dit bye bye. Bye bye. Tu dis-tu? On dit bye bye. Monsieur plein de mort. Oui, bye bye. Bam! Hey! Bam! Que fais-tu? Tu dis? Tu joues au pompier? Bon, on va leur donner un autre. Et tu viens, chérie, j'arrive. Fais attention de pas te couper dans l'ananas. Alors, que mangeons-nous ce soir? Dad, ready to go? Tu vas voir un peu ça. On mange
du porc et du bœuf haché sur un lit de riz basmati avec de la sauce demi-glace et des brocolis et choux-fleurs. Ça a fini moins beau. Ça n'a pas de l'air bon, mais c'est bon. Ben, pourquoi ça n'a pas de l'air bon? Ça a l'air très bon. Bref, voilà. Et on va aller voir la grande fille qui est en train de nous faire une histoire. Il était une fois la princesse aux cheveux longs. Il là 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 là. Il était une fois une princesse nommée Réponse. Elle était un bébé. Mais j'ai pas fait le rêve là. Ok. Est-ce que tu voudrais que je t'aide avec les fautes? Oui. Ok. Je vais t'aider.